aujourd'hui, vous êtes à la cérémonie de l'inauguration du ranch de Dolly. Quelles sont vos impressions par rapport à ce projet phare, n'est-ce pas, de l'élevage au niveau de notre pays, le Sénégal? Je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous a permis donc d'être aujourd'hui ici dans le cadre de l'inauguration des travaux qui avaient démarré depuis 3 ans ou 4 ans et qui concernait donc la clôture entière du ranch de Dolly. Un ranch de 87 500 hectares, un ranch également qui a 124 ou 125 km de couverture. C'était une ambition du président de la République, c'était également sa vision et je pense que c'est aujourd'hui devenu une réalité. Donc il faudrait vraiment que par la suite les éleveurs puissent bien entretenir le ranch. Parce que ça devient vraiment aujourd'hui leur affaire, ça devient également leur propriété. C'est pour tous les éleveurs du Sénégal. Et c'est une zone de refuge pour les périodes qui sont difficiles. Autant le cheptel national que le cheptel de la sous-région également sera à Dolly. Et c'est ce qui justifie donc toute l'importance que nous avons accordée aux travaux du ranch, qui est aujourd'hui sécurisé par rapport à la disponibilité donc en pâturage, mais également sécurisé par rapport au vol de bétail. Comme vous le savez, c'était aussi le refuge de beaucoup de voleurs de bétail. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, avec la présence d'une brigade spéciale de la gendarmerie nationale, il y aura un répit en tout cas pour les éleveurs. Donc remercier le chef de l'État qui a eu cette grande ambition et qui l'a réalisée. Remercier également les populations du ranch qui ont participé de façon inclusive à la réalisation des travaux, qui ont également été des travailleurs. Donc il y a eu beaucoup d'emplois, près de 500 emplois directs ou indirects ont été créés donc avec les travaux qui se sont étalés sur 4 ans. Et aujourd'hui même, il y a des jeunes maçons, de jeunes ouvriers qui ont reçu des compléments de formation, qui ont été renforcés. Et je pense que ça va leur servir également pour l'avenir. Donc maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de prendre toutes les dispositions, de mettre en place en tout cas une réglementation qui pourra permettre de bien gérer le ranch. Et je pense que nous sommes déjà sur cette voie, dans la mesure où, à Dara, nous avons déjà tenu une rencontre inclusive qui a regroupé les éleveurs, les organisations de professionnels de l'élevage, qui a regroupé les autorités administratives, les élus territoriaux, et qui ont donc essayé de mettre en place en tout cas un système qui va nous permettre d'avoir une très bonne gestion du ranch. Gestion d'abord des pâturages, mais également gestion au niveau des infrastructures innovantes qui ont été mises en place. Je pense au forage à haut débit, qui a été mis en place avec près de 115 km donc de raccordement. Je pense également à la culture foragère qui va être bien développée. Nous allons tout à l'heure visiter un champ de maralfalfa qui a été mis en place avec l'appui du PUDC. Et il y aura également d'autres projets parce que nous avons même un institut qui s'appelle Savory, qui est en Afrique australe, qui est aux États-Unis, qui avait rencontré le chef de l'État à travers son président et qui a promis de mettre près de 2 milliards avec bien sûr une contribution du gouvernement du Sénégal pour une étude des sols, une étude des pâturages pour pouvoir donc enrichir les pâturages qui existent au niveau du ranch. Je pense que ça également, ça va être un plus pour toutes les unités pastorales qui existent au niveau du ranch. Au niveau également de la lutte contre les feux de brousse, vous savez qu'il y a aussi une brigade spéciale donc des eaux et forêts, le ministre de l'Environnement est là. Et je pense que tout cela en tout cas permettra de davantage renforcer les capacités des éleveurs pour qu'ils puissent gérer le ranch à bon escient. Donc ne plus accepter, ne plus toréler les feux de brousse, mais surtout donc à travers les pare-feux, parce qu'il y a près de 157 km de pare-feux qui ont été récemment installés. Et je pense que tout cela en tout cas contribuera à renforcer la sécurisation au niveau du ranch. Il y a également des camionnettes, des camions à eau, qui ont été prépositionnés depuis quelques années et qui permettent aussi d'avoir une réaction rapide lorsque un feu de brousse se déclare. Nous avons aussi des ONG qui interviennent dans le ranch. Je pense à Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Je pense à Cerfla qui a encadré les éleveurs qui ont mené le combat jusqu'à l'avènement du président Macky Sall, donc qui est
qui a redonné au ranch sa vocation agro-silvopastorale ou silvopastorale. L'agriculture, ça, les familles ne peuvent pas ne pas faire de l'agriculture pour vivre, mais l'activité essentielle, ça va être vraiment l'élevage et les activités pastorales.